descend. Allez, Pénus, va te dégourdir les pattes. Allez, Corneille, il va te dégourdir les pattes. Je vous présente l'évrier britannique dernier modèle avec châssis renforcé, courbe aérodynamique et que Z-bar non torsadé. Il vit pour gagner. Une terrible machine, hein. Eh bien, je voudrais pas dire, mais mon Corneille à moi, eh ben c'est une... Mais bah... véritable roquette de course qui court vite. Une roquette, lui, ton chien. Véritable roquette de course qui court. J'imagine que t'as rien contre une petite course, alors. Eh ben d'accord. Mais enfin, Bernie, je déteste courir. Bon, tu vas pas te dégonfler, hein. Corneille, il faut que tu le fasses. Notre honneur est en jeu. Faut. On n'attend plus que toi. À vos marques, prêts. Corneille, 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 Corneille. Oh. 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 Ton clébard a eu de la chance, c'est tout. Ton clébard a eu de la chance, ton clébard, c'est tout. Tout, c'est... Oh. Ça, c'est ton Il y a un tocard qui s'est incrusté dans un dessin animé, c'est qui? C'est toi. Tu vois, Corneille, c'est pas difficile. Une nourriture saine, une bonne nuit de sommeil, et demain, tu seras frais comme... Une nourriture saine, une bonne nuit de sommeil, et demain, tu seras frais comme ma bite. Merci, Bernie. Oui, je pense à toi tout le temps. Monsieur retourne sa veste. Il est temps de poursuivre l'entraînement. On est d'accord, je... Bernie. T'as été parfait aujourd'hui, merci. Corneille. Eh, hey, Roméo, dis donc, je vois que pour ton chien, ça roule. Bernie, Turbo atteint les 10 km/h en 60 secondes à peine. 17 km/h. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas battre Turbo? Oh.